Je suis revenue. Hein? Choma, bienvenue. Hein? Comment ça, bienvenue? Attends. Ne me dis pas que tu étais allée à la cuisine et tu as pris toute la nourriture. Ce n'est pas ça, oh. J'ai très faim, voilà pourquoi j'ai pris un peu de nourriture. Hein? Tu as pris un peu de nourriture. D'ailleurs, donne-moi ça. Choma, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Tu vas manger plus tard. J'ai très faim. D'ailleurs, lève-toi. Lève-toi. À la maison. Avance. Je ne veux plus te voir de ses côtés. Quand ma maman reviendra, je lui dirai de te faire sortir de cette chambre et de te placer de l'autre côté là-bas. Tu te crois vraiment tout permis. C'est pour ça que tu es allée à la cuisine et prendre toute la nourriture. Attends que ma maman revienne. Idiote. Regardez-la. Attends, tu verras. Choma, donne-moi la nourriture, s'il te plaît. Yebi Kosao, Ibinabo. Yebi Kosao, Ibinabo. Odogu, oh oui. Je suis déjà en train de laver ta face. Et oui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis toujours prêt pour tout ce qu'on peut faire. Ah oui, il faut toujours être prêt. Ah, c'est ça, mon frère. Hey, c'est-tu ce dont j'ai besoin, Uche? Quoi? Une fois que nous arrivons à la maison. Je vais aller à la boutique, acheter du vin de palme, des noix et tu connais la suite. Je sais que tu prends plaisir à un homme, c'est fait pour ça, voyons. Qu'est-ce que c'est beau d'être un homme. Hein? Jésus, oh. Je vois que tu es vraiment aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hey, du vin de palme. Bam, je vais économiser mon argent. Je vais économiser pas mon comme argent. Toi, garde ton argent si tu veux. Garde ton argent. Moi, je vais en faire autre chose. Ça va toi? Ah, tu vas bien? Je vais bien, merci. Quoi encore? Tu sais vraiment que la vie est mystérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire, Uche? Comment une jolie fille comme celle-là peut être aveugle? Oh, Uche, c'est seulement aujourd'hui que tu l'as vue? Non, pas du tout. Je me demande juste, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh Seigneur mon Dieu, tu m'interroges moi ou c'est Dieu que tu interroges? Mon cher, est-ce que tu comprends oui ou non? Pourquoi tu es trop insensible jusqu'à ce point? Bien sûr que j'ai aussi des sentiments mon frère. C'est tout le monde ici qui sait qu'elle est née aveugle comme ça, depuis le sein de sa mère. Ah, c'est quoi cette histoire? Il y a des personnes normales, d'autres sont aveugles. Non, c'est toujours comme ça mon frère. Toi et moi sommes assez chanceux d'être nés comme ça et nous nous battons. Le sort de chacun est différent. Il faut éviter de trop réfléchir comme ça mon frère. Ah. Je pense que tu as raison, c'est la volonté de Mais Dieu. Mais voilà peut-être. Même, hein? Ah, d'accord, on y va. Allons-y seulement. Toi vraiment, l'homme sensible. MRA. Ah, Nena. Hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je suis désolée, je ne pouvais pas attendre. J'ai très très faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que ta belle-mère avait cuisiné ce matin. Si, elle l'a fait. Tu connais très bien mon combat avec Choma.
Tu sais très bien comment est-ce qu'elle me fait beaucoup souffrir. Elle ne me laisse jamais tranquille. Non, pas là-bas. Laissez côté. Oui, par ici. Okay. Joma n'aime pas me laisser en paix dans cette maison. Elle aime seulement me provoquer. Mais pourquoi ta demi-sœur te traite comme ça, hein? Eh, mais je n'ai pas envie d'en parler. J'ai très faim. As-tu la nourriture? Oh, tu n'as pas besoin de pleurer, ok? J'ai quelque chose pour toi. Tu sais que je suis là pour toi. Es-tu sérieuse? Je suis là. D'accord. J'arrive, ok? Ok. Oh, maman. Hein? Dieu merci, tu es revenue. Je t'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, maman, non. Hey, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est cette stupide fille de Nena? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ah, maman, mais c'est quoi cette question? Tout ce qu'elle fait est mauvais. Quand je suis revenue, je l'ai trouvée en train de manger. Elle a pris toute la nourriture qui était dans la cuisine. Elle n'a absolument rien laissé, maman. Ma nourriture? Oui. Où est-elle? Nena! Nena! Nena, où est-elle partie? Nena! Hé! Hey. Nena! Mais tu ne comprends pas ou quoi? Elle s'est enfuie, elle n'est pas là. Hein? C'est depuis longtemps qu'elle était partie, elle n'est pas là. Oh. Je vais tuer cette fille aujourd'hui. Elle a mangé toute ma nourriture. Je n'ai rien à manger aujourd'hui. Hein? Quelle audace! Nena! Nena! Merci énormément. J'espère que ça va. Oui, je me sens bien, merci. D'accord, pas de problème. Ok, je vais déjà partir. C'est bon. Alors, laisse-moi t'accompagner. Non. Rappelle-toi que tu as un rendez-vous avec Maz et Ojoku. Ah, oublie ça s'il te plaît, c'est pas très important, ça peut attendre. Ah non, j'insiste, non. Ah. Tu sais, ce n'est pas bien de faire attendre un adulte, hein? Dès que tu vas finir avec lui, tu pourras passer à la maison. Je vais t'attendre. Es-tu sûre que ça va aller? Oui, ça va aller. C'est bon, pas de problème. Mais promets-moi que tu prendras soin de toi. D'accord, je prendrai soin de moi. D'accord. Merci, c'est gentil. Mon hein? ami. Oui, allez. D'accord, bye, c'est bon, ma chérie. Oui. Au revoir, bye bye. Oui. Merci. Au revoir. D'accord. Maman? Maman? Hein? Celle que tu cherchais est là. Elle est revenue. Hein? Elle est là. Viens voir, la voilà. Ok. La voilà. Allez, descends ici, descends. Toi, Bartimé, tu blagues avec moi. Tu n'as plus de respect, hein, toi, cette fille. Hein, toi, tu n'as plus de respect pour moi. Je ne comprends pas, comment maman. Comment tu vas comprendre? Donc, après que j'ai dépensé mon temps, mon énergie et mon argent de mettre la nourriture à la table pour tout le monde, tu as mangé ta part, la part de Chioma. Tu prends aussi la mienne. Ah, maman, non, je n'ai pas fait ça. J'avais déjà la nourriture pour manger et Chioma me l'avait ravie. Voilà pourquoi je t'ai partie. Tais-toi! Regarde comment elle ment. Hey! Maman, cette fille est une sorcière. Une vraie sorcière. Donc, tu veux maintenant m'attribuer la faute? Tu es culottée. Regardez-la. Hey. À toi un instant. N'est-ce pas que je t'avais trouvé en train de manger? Est-ce que je mens? Hé, hey, Chioma, tu es en train de mentir. Dis-moi la vérité, non? Hey. Ok, bien, laisse-moi l'interroger. As-tu mangé la nourriture, oui ou non? J'avais pris un peu. Menteuse. Ah, maman, s'il te plaît. Maman, pas comme ça. Arrête, utilise ça. Prends ça, utilise ça. Moi, c'est bâton. Je vous en prie, maman, s'il te plaît. C'est ça, pas manger. Pourquoi tu n'as pas mangé? Fouette-la. Pourquoi tu n'as pas mangé? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Menteuse. Ferme ta bouche. Tu mens comme tu respires. Insensé. Tu as mangé ta part, la part de Tioma. Tu manges encore la mienne. Tu ne sais rien faire dans cette maison. Si ce n'est que manger. Idiote. Tu deviens un cas social, cette fille.
Je vais te tuer, ta mère. Toi. Oui, oui, continue, maman. C'est ça. Qui est-ce? Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon eau qui était dans les seaux? Qui gaspille de l'eau comme ça? Maman, je ne sais pas. Je suis venue prendre mon eau pour aller me laver et j'ai constaté qu'il n'y a plus d'eau dans les seaux. Donc, tu veux dire que de l'eau s'est renversée de soi? C'est inconcevable. Maman, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais je suis sûre que quelqu'un l'a fait. Seigneur mon Dieu, il n'y a plus d'eau dans ce tonneau. Nena, peu importe tout ce que tu vas faire, rassure-toi de ne pas toucher de l'eau dans ce tonneau. Tu m'écoutes? Si Maman. Tu veux prendre la douche, prends ces seaux, va pousser de l'eau à la rivière. Tu gaspilles de l'eau inutilement. C'est quoi ça? Allez, tiens. Tiens les seaux. Tourne-toi, tourne, va à la rivière. Va chercher de l'eau pour ta douche. Maman, c'est va bon, compléter cette eau que tu as renversée. J'ai entendu. Je vais m'habiller alors. As-tu engagé une bonne en permanence ici pour tes besoins? Va remplir cette eau. N'importe quoi. Tu renverses de l'eau sciemment. N'importe comment. Maman, mais dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Demande, qui a renversé qui de l'eau faire ça? Si ce n'est pas la non-voyante. Hein? J'étais à la maison. J'ai entendu le son de quelque chose qui est tombé. Je viens, je vois de l'eau renversée partout. Rassure-toi qu'elle remplisse ses tonneaux. Est-ce que tu m'as entendu? Pas de problème, laisse-moi m'occuper de ça. Après, tu vas aller chercher pour moi le bois de chauffage. Maman, mais rassure-toi à ce qu'elle puisse aller à la rivière, pas de problème. Mais aller chercher le bois sous ces soleils. Ah, maman, désolée pour ça, je le ferai demain. Demain, je le ferai à la première heure. Peu importe, surveille-la. Elle doit faire le plein de ses tonneaux. Ça, c'est mon travail. Hein? Nena! Où est-elle? Nena! Cette fille est vraiment insupportable. Tu me cherches vraiment de problèmes. Ose les répéter encore la prochaine fois. Je serai là en train de surveiller. Voir comment tu vas les remplir. Sinon, tu vas crever de faim dans cette maison. Oh.
Toc, toc, il y a quelqu'un? Oh, oh, Chioma, comment tu vas? Tu n'es pas une aveugle, donc tu peux très bien voir que je veux bien. Oh, dans ce cas, je suis désolée. Si tu es là pour Nena, sache que le parti à la rivière puiser de l'eau. Hein? Puiser de l'eau, où c'est? Tu me demandes? Tu me demandes? C'est à moi que tu poses la question. Comment ça? Où est-ce que nous partons puiser de l'eau dans ces villages si ce n'est pas à la rivière? Chioma, c'est pas juste. C'est pas bien. Mais comment est-ce que tu peux la laisser aller puiser de l'eau à la rivière pendant que tu sais qu'elle est aveugle? Oh, tu es très stupide. Qui est censé puiser de l'eau pour elle? Donc elle ne peut pas aller puiser de l'eau? Vous devez vraiment arrêter avec ça, c'est pas bien. Dégage de la pauvre idiote. Madame, je sais tout. Idiote. Hein? Hey! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'était qui la voix que j'entendais à partir de la maison? Maman, c'était la voix d'Emery. Emery, la folle. Cette écrévisse. Qui... Elle veut quoi? Elle était venue chercher Nena. Alors je lui ai gentiment dit là où elle s'est trouvée. Et après? Elle a dit, pourquoi nous l'avons laissée aller à la rivière? Nous sommes censés puiser de l'eau pour elle, faire la lessive, la vaisselle, pratiquement tout. Kéouin, kéouin, kéouin. Pourquoi? Et tant que qui? Qui sont ces esclaves ici? Qu'est-ce que j'en sais? N'est-ce pas qu'elle a ses jambes et ses pieds qui fonctionnent? Tu aurais dû m'appeler pour la recadrer. Elle a de la chance que j'étais à la maison. Ah! Tu aurais dû voir comment elle me parlait avec autorité. C'est comme si elle avait l'intention de me gifler. Parce que je permis à Nena d'aller puiser de l'eau. Mmh. Elle était vraiment fâchée. Mmh. Je crois qu'elle allait me gifler. Mmh. Je te l'ai dit. Rajoute-moi les pieds. Nena, s'il te plaît, as-tu vu Nena dans le parage? Nena? Oui, je l'ai vu de l'autre côté avec un seau d'eau. Ok, par là. Oui, merci beaucoup. Nena. Nena, pourquoi? Donne-moi ça. Nena, mais pourquoi es-tu allée à la rivière seule? Ne sais-tu pas que c'est dangereux? Je n'avais pas de choix, hein? Ma belle-mère m'a refusé de l'eau après avoir renversé ce qu'elle m'avait donné. Attends, je ne comprends pas. Ta belle-mère t'avait donné de l'eau et quelqu'un l'a renversée? Cette personne-là, c'est Chioma. Mais je ne pouvais pas citer son nom. Parce que sa mère risquerait de me tuer. Ah, mais Nena! Ah, mais jusqu'à quand vas-tu continuer à encaisser tout ça? Viens vivre avec moi, s'il te plaît. Viens chez moi. Ah, Emery, je peux bien le faire. Mais je ne peux pas laisser la maison de mon père juste comme ça. Si je le fais, ça serait mon échec. Je sais que c'est leur désir pour hériter de la propriété de mon père. Ah. Nena, Nena, hein? C'est ça ton problème. Hein? Pourquoi ne pas d'abord te concentrer sur ta santé avant toute chose? Écoute ce que je te dis. Cherche d'abord ton bonheur, s'il te plaît. Emery, de qui je peux avoir peur, puisque j'ai Dieu et toi? Nena, tu as toujours quoi dire. Ça va, allons-y. Oui. Tu manges beaucoup. Cette nourriture est très bonne. Ça goûte. Tu le crois? Oh, maman. Tu le crois?
ce qu'il dit. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. Choma, viens l'aider. Ça goûte. Oh, c'est vraiment très délicieux, maman. Doucement. Emery, merci beaucoup. Merci énormément. J'ai vraiment apprécié. Merci. Je dois aller prendre mon savon pour aller prendre bain. Pas de problème. Prends bain et on se verra plus tard. Okay. J'ai posé de l'eau ici, rappelle-toi. Oui, merci beaucoup. Mmh. Oh, tu vois comment maman prépare. C'est très délicieux. C'est que ça donne. Mmh. Hein? Il n'y a plus rien dans la casserole. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Nena est allée toute seule à la rivière. Oui, c'est vraiment triste, ma sœur. Alors elle va faire comment? Hein? Tu sais qu'elle est orpheline. Pauvre fille. Si, je le sais très bien. Mais sa belle-mère et sa sœur peuvent bien l'aider. Hein? Ça marâtre. Jamais, jamais, jamais. Tu appelles Cédéla sa famille. Hé, hey, pardon, laisse tomber. Dis-moi, il y a quelque chose que j'ignore? Ah ah, tu ne sais pas la façon dont on maltraite la fille dans cette maison. Particulièrement cette démon qui s'appelle elle-même Shoma. Si ce n'était pas pour Emiria, je me demande ce que serait devenue cette fille. Cette idiote qu'on appelle Shoma, elle exagère. Pour qu'elle s'éprend. Vraiment. Le jour où je la croiserai sur mon chemin, elle verra, je te dis. Franchement, elle exagère. Oui, Seigneur. Ouh. Madame, bonjour. Comment vous allez? Je veux bien. Et le petit va bien? Il va très bien, merci. Cette fille, hey. Bien. Choma. Choma. Choma, tu es où? Moi, je vais me déplacer. Viens ici, j'ai besoin de toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai. Où est mon argent? Choma. Maman. Bien, 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 bien. Qui a pris l'argent que j'avais gardé dans mon sac? Maman, tu parles d'argent? Mmh. Mais qui est l'argent? Les 3000 naira que j'avais mis ici, c'est tout ce que j'avais comme argent. Qui l'a pris? Maman, hein? Je suis très surprise de toi. C'est quoi cette question? Comment est-ce que je vais prendre de l'argent? La seule personne qui peut être capable de prendre ton argent dans cette maison, c'est celle-là. L'aveugle, cette fille. Bien, bien, bien. Bien. Nena,
Toi, Nena, approche ici. Vite. Maman? Approche ici, vite. Viens, viens. Voleuse, viens me dire là où tu as mis mon argent. Approche vite. Bien, bien, c'est cité. Tu as pris les 3000 naira que j'avais gardés dans mon sac. Maman, je ne sais rien à propos de cet argent. Hey! Tu n'es pas seulement une aveugle, tu es aussi une menteuse. Maman, ne l'écoute pas. Je l'avais vue la nuit dernière en train de guetter dans ta chambre. Hein? Ne dis pas ça. Elle faisait... Ah, maman, ce n'est pas vrai, maman. Je ne suis pas entrée là-bas. Je me... Pourquoi tu mens, s'il te plaît? Arrête de faire semblant, ne me fais pas perdre le temps. Où est l'argent que j'avais mis dans mon sac? Maman, c'est faux, je ne suis pas entrée dans ta chambre. C'est les mensonges. Hein? Maman, je ne suis pas entrée dans ta chambre. Hein? Va fouiller son sac. Fais vite. Prie que Dieu te sauve et qu'on ne retrouve pas cet argent dans ton sac. Comment tu oses entrer dans ma chambre? Hein? Quelle audace! Donc tu n'es pas seulement aveugle, tu es aussi une voleuse. Si par malheur je trouve cet argent dans ton sac, hein? Hein? Amène ça ici, mets ça ici par terre. Vite! Commence à fouiller, fais sortir tous les habits qu'il y a dedans. Hé, Manon! Fais sortir un habit après l'autre. Hein? Quoi? Hein? Maman? N'est-ce pas ça mon argent? Seigneur des anges! Je te l'avais dit. Maman, je te l'avais dit. Tu m'as menti. Maman! N'est-ce pas toi qui as dit que tu n'étais pas entrée dans maman, ma chambre? Maman, je n'ai pas pris l'argent. Tiens-moi cet argent. S'il te plaît, c'est pas vrai. Pourquoi maman, tu m'as menti? Maman, c'est pas vrai, maman. Tu n'as pas pris quoi? Tu n'es pas seulement une aveugle, mais tu es une menteuse et une voleuse. Crois-moi, maman. Agenouille-toi! Maman, tu commences maman, à voler. Je n'ai pas touché à ton argent, maman. Hein? Tu n'as pas fait quoi? Maman, ramasse-moi tous ces habits. Je vais le brûler. Super que tu es. Aïe, maman, garde-moi en l'air. Avare. Voleuse. Voleuse. Maman, tu n'as pas pitié de toi-même. Hein? Garde-moi en l'air. Le peu d'argent que je garde pour vous nourrir, tu le gardes. Voleuse. Maman. Tiens ce bâton. Ne le lui donne pas. C'est entendu. Imbécile. Garde tes yeux sur elle. Je vais l'acheter ce truc moi-même. Je reviens. Qu'elle ne se déplace pas. Ok. Je vais te tuer. Insensée. On verra où tu vas manger aujourd'hui. Qu'elle n'ose pas s'élever. Hein. Qu'elle reste à genoux jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que je suis une folle? N'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? C'est rien qu'est le début. Tu es la raison pour laquelle... Mon père nous avait rejeté, ma mère et moi, quand il était en vie. Hey, tu sais que je n'ai pas pris cet argent. Pourquoi est-ce que tu me... Est-ce que tu viens de m'appeler? Viens-tu de m'appeler? Hein? Tu n'as encore rien vu. Ça, c'est rien que le début. Et quand je finirai avec toi, tu seras méconnaissable, je te l'ai dit. Tu m'entends? À cause de toi, mon père nous a haïssé, ma mère et moi. Tu m'avais volé l'amour et l'attention de mon père. Tu vas le regretter. Tu vas me le payer. Je vais en finir avec toi, Nena. Tu n'as encore rien vu. Je te ferai mordre la poussière. Si tu veux, tu peux t'élever et aller te reposer dans ta maison. Hein? Si ça t'arrange, tu peux rester là en train de pleurer. Niaï, niaï. Ma mère sera de retour d'ici peu. Tu n'as rien vu. Tu vas très bien pleurer. Niaï, niaï. Je pars à la maison me reposer. Reste là et tu verras. Je t'ai dit, ça c'est rien que le début. Allez, lève tes mains. Lève ça vite. Voleuse, allez, lève les mains, vite. Vas-y, lève tes mains. Idiote, tu verras. C'est le début. Le début de ta galère. Idiote, c'est pas fini. Je ne suis pas partie. Je suis là, en train de te regarder pour voir si tu vas baisser les bras. Idiote, voleuse. Allez, lève tes mains. Lève ça bien. Pourquoi ça? Menteuse. Arrête. Je n'avais pas volé cet argent. Hein? Viens-tu de parler? As-tu dit quelque chose? Est-ce que je t'ai entendu parler? Non. C'est ce que je vis avec cette fille. Hein? Elle est insupportable. Tu ne peux pas imaginer. Ma chère, tu as la patience. Oh. Pour tolérer beaucoup. Cette fille était têtue. Ah ah! Hey! Elle est hypocrite. Par qui est-ce qu'elle a prise comme un vol? Celle-là, elle est sournoise. Hey. C'est l'une des choses qu'elle a apprises de sa mère. Hey. Avec ses comportements,
Les gens diront que je suis une méchante marâtre. S'il te plaît. Il doit avoir une limite. Je ne peux pas tout tolérer. Vous êtes témoin, oh. Je vais le tuer. Allez-y doucement avec elle. Vous savez qu'elle est aveugle. Et alors ça fait quoi? S'il te plaît. Non, non, c'est mon problème. N'est-ce pas que je suis aveugle moi aussi? Non. Hein? Ne l'est pas. Il faut l'avertir, oh. Tu dois trouver un jour pour venir parler avec elle, peut-être. Le mieux, c'est qu'elle soit mariée. C'est tout. C'est la seule bonne chose qui lui arrivera, non? Tu es bizarre. Hein? Quel est cet homme qui peut s'intéresser à une aveugle? Quel est cet homme qui voudra prendre une femme inhabile comme celle-là? Des jolies filles traînent encore dans les maisons de leur père et à combien plus forte raison c'est aveugle. Ah, Ogodia, ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible, né? Tâche-toi comment venir la cautionner. Sinon, je vais le tuer. Pardon. Je vais le tuer. Pardon. Au moins, tu seras témoin. Avec elle. Allez-y doucement. Je ne vais pas finir en prison à cause de cette fille. Pardon. Qui est-ce? Mais c'est qui, s'il te plaît? Qui est-ce? Mais qui est-ce? Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Oui, maman, je vais très bien. Pourquoi cette question? Tu as l'air tendu. Ou devrais-je dire nervé? Non, maman, je vais juste aller rendre visite à mon ami. Peut-être que c'est ça. Tu es sûr? Oui, maman, je vais bien. Ok, bonne route. Merci bien, maman. Arrivé. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Nena, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as? Nena, il y a du sang sur tes habits. Mais pourquoi est-ce que ta soeur ne te l'avait pas dit? Hein? Pourquoi? Hein? Ok, laisse-moi t'apporter quelque chose pour te couvrir. Oh! Je suis là. Allez, couvre-toi avec ça. Porte ça, ok? Allez, c'est bon. Ça va aller. Arrête de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Parle-moi, non? Dis-moi, Nena. Allez, Nena, arrête ça, s'il te plaît. Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? J'ai peur. Tu me fais peur comme ça. Parle. Hein? S'il te plaît, je t'en prie. Parle. Mon ami, allez, dis-moi quelque chose. Dis-moi non, Nena, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête ça. S'il te plaît, parle-moi.
Allez, Nena, je t'en prie, parle-moi. Parle-moi, ton silence mais tu allais dire quelque chose. Nena. Oh, Nena. Nena, parle-moi. Emeria, viens, une minute. Oh, ma meilleure, quelque chose d'important que je vais te dire. Qu'est-ce que ceci veut dire? Je ne comprends pas. Emeria, laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce qu'une personne t'a déjà dit que tu es bien conçu pour Womambu Iso seul? Hein? Tu m'as bien compris? Attends, attends. C'est pour cette raison que tu m'as appelé? Hein? Donc c'est vraiment pour ça que tu m'as appelé. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu me regardes bien, tu verras que je ne suis pas d'humeur pour supporter n'importe quel genre de bêtise. Non, Emeria, calme-toi. Hein? Calme-toi d'abord. C'est quoi ton problème, hein? Donne-moi une petite chance. C'est moi que tu demandes? Oui. Hey! Toi, un fou du village, un bon à rien. Tu crois que je ne connais pas ton genre? Tu te balades partout dans les villages et tirer sur tout ce qui bouge. Tu crois que je ne le sais pas? Non, attends un peu. Tu viens de dire que je tourne partout, courant derrière tout ce que je vois. Oui, je l'ai dit. C'est vraiment une idiotie ça. Emeria, comment t'es-tu permis de me parler de cette manière? Tu es vraiment une idiote. Tu es idiote, tu es folle. Tu sais qui je suis? Hein? Est-ce que tu sais combien de filles dans ce village se sont battues à moi pour m'avoir? Hein? Et puis tu viens me dire n'importe quoi ici. C'est quoi même ton problème? Je comprends pas. Ka! Tu la fermes. Hein? Tais-toi. Pour qui tu te prends? Hein? Pourquoi tu te mens toi-même? Tu n'es qu'un simple villageois, un crève la faim, un bon à rien, un écervelé. Je te préviens, si tu me provoques encore, tu vas le regretter. Hé, hey, dis-moi. Hein? Iziou, lâche ma main. Hein? Lâche. Bia, tu as voulu me gifler? Lâche ma main. Iziou, lâche ma main. Hé, hey. Hé. Hey. Insensé. Emeria, c'est bien, mais je vais te prouver de quoi je suis capable. Tu as blagué avec moi? Eh bien, tu verras qui je suis. Tu dois vraiment être une folle. Moi, je t'ai dragué, tu oses refuser. Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Non. Personne avant n'a osé faire ce que tu as fait là. Tu dois vraiment être prudente, hein. Sois vraiment prudente.
C'est quoi ce genre de filles que je vois dans ce village? Est-ce que je connais le nombre de filles dans ce village qui sont prêtes à tout pour m'avoir? Et voilà toi qui viens me dire n'importe quoi. Une fille sale comme toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi? N'importe quoi, va là-bas toi. Écoute-moi bien, prochainement si tu me parles encore comme ça, hein? Alors tu verras de quel bois je m'échauffe. Idiote, c'est des bêtises ça. N'importe quoi. Idiote, va là-bas. Nena, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Hein? Nena, c'est depuis hier que tu pleurais. Je t'ai supplié pour me dire ce qui t'est arrivé, mais tu gardes toujours silence. Hier, tu avais quitté ma maison en pleurant. Bien que je fournis des efforts pour que tu me racontes, tu me dis ce qui s'est passé, mais tu te tais toujours. J'étais allée chez toi à la maison, mais tu n'étais pas là. Te voilà ici en train de pleurer. Nena, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, ton silence me tue. Je suis ton amie, s'il te plaît. J'ai été violée. Ah, que viens-tu te dire? J'ai été violée hier. Ah, violée? Mais comment? Par où? Et par qui? Je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux savoir? Comment est-ce que je peux répondre à cette question? Oh, je ne sais pas c'est lui qui m'avait violée. Tout ce que je sais est que j'étais en route pour chez toi hier. Et j'avais senti que quelqu'un m'avait attrapé et m'emmenait dans la brousse. Et il m'a fait ce qu'il pouvait. C'est tout ce dont je peux me rappeler. Je ne sais pas c'est lui qui m'avait violée. Comment est-ce que je peux raconter cette histoire? Les violeurs a ôté ma fierté, en tout cas d'une façon misérable. Nena, les sangs sur ta robe, c'était le résultat du viol? Ce n'était donc pas tes règles? Emery, je ne veux pas que les gens la prennent. Donc quelqu'un a pris de l'avantage sur toi? Emery, baisse ta voix. Je ne veux pas que les gens la prennent. Ne le crie pas, s'il te plaît. Ah, ne m'interdis pas de crier. Un homme a pris de l'avantage. Il a abusé d'une fille aveugle. Oh. Oh, c'est... Nena, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être là pour te protéger. Merci. Peu importe la personne qui t'a fait ça, Dieu va vraiment le punir. Amen. Dieu s'occupera très bien de la personne, de cet homme qui t'a fait ça, Nena. Amen. Mais comment quelqu'un peut vraiment avoir le courage d'abuser d'une fille aveugle? Oh, Seigneur. Je suis très désolée, Nena. Merci. Merci beaucoup. Je n'avais pas pu te le dire hier. C'est désolée, ce qui m'était arrivé. Je suis vraiment navrée.
Qui a fait ça? J'ai mis les oranges ici. Qui a fait ça? Choma est ici. Choma! Je sais que tu es ici. Choma, où sont mes oranges? Choma, où sont mes oranges? Choma! Choma, où sont mes oranges? Amène-moi mes oranges. Pourquoi tu me fais ça? Choma! 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 Je sais que c'est toi. Amène-moi mes oranges, s'il te plaît. Je refuse. Pourquoi tu me fais ça, Choma? Tu es méchant, toi. Amène-moi mes oranges, s'il te plaît. J'entends très bien que tu es ici. Emmène-moi mes oranges, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Choma? J'avais mis mes oranges ici. Je sais très bien que c'est toi. Emmène mes oranges. Choma, pourquoi est-ce que tu es très méchante? Oh, Choma, je sais que c'est toi qui as pris mes oranges. Pourquoi est-ce que tu es si méchante? Pourquoi, Choma? Ramène-moi mes oranges, s'il te plaît. T'es vraiment pas gentil, toi. Emmène mes oranges. T'es méchante. Choma, je sais que Dieu est juste. Dieu est juste, je te dis. Attends, tu verras. Nena, que fait-il là? Bon après-midi, maman. Je suis sûre que tu as fait quelque chose à ta marade. C'est pourquoi tu es venue t'asseoir ici, seule. Non, maman. Je ne l'ai jamais offensée auparavant. Je ne lui ai rien fait de mal. Alors, que fais-tu ici? J'ai juste envie d'être seule. Il y a-t-il quelque chose qui te dérange? Ah ah, je n'ai pas envie d'en parler, maman. Ah, ok. Si c'est ainsi, je m'en vais. Juste prends soin de toi. Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je sens toujours la fatigue. Et j'ai aussi comme l'impression que ma poitrine est en train de gonfler. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de ce monde. Je suis fatiguée. Je ne comprends rien du tout. Honnêtement, Akudo, je ne peux jamais te mentir. Tu es mon ami. J'aime Obina. Je l'aime vraiment. Je souhaite qu'il ait le même sentiment que j'ai pour lui. Honnêtement. Attends, qu'est-ce qui est amusant à propos de ce que je dis? Tout ce que tu viens de dire paraît marrant. Mon cher ami, regarde-toi de haut en bas. Tu deviens dingue pour un homme qui ne sait même pas que tu existes. Hey! Il ne sait pas que j'existe. C'est parce que je ne me suis pas encore fait connaître chez lui. Tu essaies de me dire que tu as des intentions de l'approcher d'ici peu? Tu demandes toujours. Mais bien sûr, c'est ça ce que je t'ai dit. Je ne comprends pas. Quel cachet que tu veux te donner d'une fille qui court derrière les hommes? N'as-tu pas honte? Ifnaya, je n'ai pas honte. Tant que c'est ce que moi je veux, ce qui m'intéresse, c'est pour lui de connaître qu'il y a une fille dehors là-bas qu'il aime beaucoup. Et cette fille, c'est moi. Ifnaya, tu me sidères. Tu deviens malade. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à le perdre. Reste calme. Quoi qu'il en soit, je m'en Regarde-toi. Fiche. Regarde-toi. Tu as un sérieux problème, je vois.
Robin. Ah ah. Bonjour, Roby. Oh oh. Bonjour. En fait, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Ah ah, Roby. Comment tu peux oublier un nom si formidable? Ah, désolé, enfin, chérie. Je m'appelle Akudo. Voilà, Akudo. Oh, Akudo, comment tu vas? Je vais bien, merci. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que te rendre visite devient un problème. Oh, oh non, non, même pas. Je suis juste surpris de te voir, tu vois. Oui, oui. Obina, tu dois savoir que cette beauté incarnée et proportionnelle devant toi te trouve attirant. Ah bon? Et elle souhaite t'avoir comme copain. Waouh! Ah! Mais comment tu sais ce que je suis en train de penser? C'est exactement ce à quoi je pense. Ah! J'ai longtemps cherché des voies et moyens pour venir te voir et te dire combien je t'aime, mais je ne savais pas par où commencer. Oh, c'est vrai? Oui, oui! Oh, oh mon Dieu! Baby! Attends, je vais déposer ces histoires, on va aller à l'intérieur. On peut aller ensemble, oui. Allons-y, chérie. Okay. Allons-y, sois la bienvenue. Quoi? Au coup d'eau? Bien, oui. Je rêve. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu es intéressée par Obina depuis toujours? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'avais dit que j'aime Obina et tu n'as pas apprécié cela. Et venir derrière mon dos juste pour voir les mêmes Obina. Ah! Écoute. Tu es une vraie traîtresse. Qui? Comment peux-tu me faire ainsi? C'est de moi que tu as fait aussi. Non, arrêtez. Arrêtez, non. Arrêtez. Tu n'es pas sorti quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Méchante. Arrêtez, non. Méchante que tu es. Méchante. Traîtresse. Arrêtez, s'il vous plaît. Féroce, tu la sors. Laisse-la, je vais la frapper. Attends, laisse-la. Je vais la tuer. Tu la frappes très fort. Laisse-la. Arrêtez. Tu es méchante, toi. Attendez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrête, c'est fini. Arrête, s'il te plaît. Méchante fille. Attendez, ne partez pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez. Il faut qu'on se trouve aussi des petites amies. Bien sûr, on va en trouver. Mes très chers amis. Les gars. Eh, hey, mes chers, je suis vraiment très désolé. Tu as beaucoup traîné. Vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Toi toujours avec tes histoires. Ah ah, mon cher, vous devrez écouter ce que j'ai à dire au lieu de m'interrompre comme ça. Hein? Ah, écoutez, quand je m'apprêtais pour venir travailler, cette fille, comment elle s'appelle encore? Akudo, oui. Elle est venue chez moi et a confessé tout l'amour qu'elle a pour moi. Vous imaginez ça? Hein? Et quand on était prêts pour rentrer dans la chambre, son amie là, Ifunaya, elle a débarqué et nous a surpris ensemble. Fallait voir. Vas-y, explique un peu. Boum, allez, boum, papa. Partout dans la maison, elles se sont bagarrées, ces jeunes filles. J'ai même essayé de les séparer, mes gars. J'ai arrêté et je me suis transformé en spectateur. Regardant tout ce qui bougeait, les poitrines, broum. Tous les corps étaient en mouvement. Attends, tu veux dire, ces deux filles s'est bagarrées pour toi pendant que moi, je n'ai pas de femme? Mais là, c'est ton problème, non? C'est pas grave, mon frère. C'est ton problème, ça ne me regarde pas. Mais ne dis pas que deux femmes se sont battues pour toi juste il y a quelques minutes. Je vous dis, les gars, il y a juste quelques minutes. Au bout de petites secondes, deux jolies femmes se bagarrent pour Obina. Égé. Non, c'est pas vrai. Vas-y, dis-nous encore. C'est ce qui te rend vraiment heureux. Elle s'est bagarrée, non? Je n'ai pas eu le temps de me réjouir avec la fille. Je voulais en finir et venir vous voir pour travailler. On a besoin d'argent, il faut aller le chercher. Allons-y rapidement avant que cette dame-là ne change d'avis. Écoute, celui-là, dis-moi un peu. Donc maintenant, on peut dire que c'est toi, le garçon de toutes les filles du village? Oui, il les mérite. Ok, d'accord, pas de problème. Je vais vous répondre après, mais pour le moment, allons-y d'abord. D'accord, on va aller travailler. Allons-y, prenez beaucoup de temps. Allons-y, d'accord. T'inquiète pas, vous êtes des hommes, vous parlez beaucoup. Allons-y travailler. Voilà. On se revoit encore. Tu pensais que je n'allais pas t'attraper, c'est ça? Iziou, je te demande très gentiment de m'inviter pour l'amour du ciel. Jamais de la vie. Emria, je t'ai bien expliqué. Mais laisse-moi te dire une chose.
Tu vois dans ce village, moi je dois t'avoir. Je t'aurai. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Iziou, tu te trompes. Tu te fous les doigts dans l'œil. Maintenant, je suis convaincue que tu n'es pas seulement un villageois misérable, mais tu es aussi possédé. Je dois dire ça. Tu sais quoi? On va savoir qui est possédé, qui n'est pas possédé. Aïe, aïe, lâche-moi. Ma tête. Aidez-moi. Quelqu'un peut m'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma tête. Aidez-moi. Ma tête. Quelqu'un peut m'aider. Emere, les gars, attrapez-la pour moi. Cette fille est une sorcière. L'attraper pourquoi? C'est une sorcière. Elle a fait quoi? Je lui ai rien fait. Vous voyez, cette fille, c'est vraiment une sorcière. Elle a été envoyée ici seulement dans le but de me tuer. Je ne sais pas. Je lui ai rien fait. Elle a été envoyée seulement pour me tuer. Je ne sais pas. Je te connais très bien. Emere ne peut pas réagir de cette manière sans que toi tu commettes une bêtise. Quoi? Tu dis quoi là? Je lui ai rien fait du tout, je vous ai dit ça. Arrête aussi de pleurer comme ça toi là. Tu vois ce qui est arrivé là? C'est la bien arrivé. Allons-y, on part. Les amis. Laisse-nous tranquille, Les amis, laissez-moi même à la maison, non? Vous êtes mes amis, non? Ma tête. Bébé, aujourd'hui, j'ai connu un accident très grave. Un accident? Accident. Mais comment ça? Une moto qui m'a cogné. Et puis cet homme-là, il a fui. Mais ça passait de quel côté? Tu étais où? C'est la vérité. C'est ce qui est arrivé. J'ai très mal. Désolé, chérie. Je suis vraiment désolée. Tu sais que tu ne peux pas venir ici. Ma mère risque de te voir. Je sais bien que ta mère, elle n'est pas là. C'est pourquoi je suis là. Même si c'est le cas, mais elle peut revenir à n'importe quel moment. C'est pas bien que tu sois là. Tu veux que je parte avec mon visage accidenté? En fait, moi je suis venu pour avoir un traitement, non? Mais pourquoi toi tu me fais ça? Aïe. Mais tu aurais dû passer directement à l'hôpital avant de venir ici. Ouais, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Oui. Mais tu vois bien que j'ai mal. Ok. Oui, je reviens. Ça, c'est seulement pour nettoyer la plaie. Fais voir. Trop mal. T'es trop mal. Ça va aller. C'est bon, chérie, maintenant, lève-toi. Tu peux commencer à partir. Je viendrai plus tard te soigner, ok? Tu peux partir. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Désolée. Je vais t'attendre. Faut venir, s'il te plaît. Ok, je viendrai. Je viendrai, chérie. C'est bon. Je viendrai. Un accident avec une moto dans ces villages? Mais comment cela est-il possible? Partant d'ici jusqu'à sa maison, du moto ne passe pas? Comment? Hey! Ezio! Allez, lâche-moi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réagis de cette manière? N'est-ce pas que tu connais le pourquoi de cette attitude? Tu continues de voir Ifunaya. Moi, oui. Vraiment, plus j'ai jamais. Quelque part. Hein? Tu t'avais qui? Pourquoi je veux voir ce genre de filles? Hein? Cette fille n'est pas le genre de mes filles et tu le sais, non? Hein? Vraiment? Je n'ai rien à faire avec ce genre de femmes. Si elle est femme, c'est qu'elle ne donne pas d'enfants. Elle a déjà atteint l'âge de la ménopause. Je me demandais comment tu peux être intéressée à cette truc. Tu sais que je ne peux pas le faire, non? Toi, tu es l'amour de ma vie. Hein? Tu sais quoi? Depuis le jour où elle est venue nous surprendre ensemble.
Elle m'a vraiment énervé. Elle m'énerve même jusqu'à présent. Tu sais, je déteste cette fille. Je hais cette fille. Beaucoup même. Es-tu sûr? Oui, non. Obina, juste quand on était prêt à rentrer dans la maison, après notre chaleureuse discussion sur notre chemin, elle a tout gâché et elle cherchait à se bagarrer avec toi. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es sûr? Oh, mon amour. Allons maintenant à la maison, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Cet endroit est trop ouvert. Il n'est pas favorable pour nous les amoureux, tu sais, non? Maman, toi. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Qu'est-ce qu'elle a? Hola. Elle dort. La cécité. Vas-y, lève-toi de là, idiote. Pourquoi tu dors à cette heure? Tu es une paresseuse que j'ai jamais vue. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, bon après-midi. Tu peux l'avaler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, je suis malade. Je ne sais pas comment l'expliquer. La pauvre. Comment tu te sens? Les matins, j'étais en train de vomir. Et maintenant, je me sens très faible. Et j'ai des vertiges. Et apparemment, mes dessins ont vraiment gonflé. J'ai vu comment c'est devenu ferme. Bien, pas besoin d'avoir une explication. Je sais ce que tu as comme problème. Qu'est-ce que c'est? Maman? Elle est grosse. Tu es enceinte, tu veux faire semblant? Hey! Bien. Nena, avec cet aveuglement, tu as quand même la force d'ouvrir tes jambes et laisser entrer la banane. Non, maman, ça ne s'est pas passé ainsi. Tu ne cesseras de mentir. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Tu oses me mentir? Donc, tu essayes de me dire que la grossesse est descendue du ciel pour entrer dans ton ventre, hein? Non, maman. J'ai été violée. Cette fille, je ne sais pas quoi faire avec toi. Arrête un peu ça, s'il te plaît. C'est quoi ton problème? Es-tu obligée de toujours mentir? Bien, peu importe comment cela est arrivé. Une chose est sûre, je ne vais pas me tuer pour toi. Je ne le ferai jamais. Toi-même en personne, tu es déjà un problème pour moi. Et maintenant, tu veux m'amener un bâtard. Tu crois que je vais m'occuper de lui? Tu te trompes. Tu vas porter ton fardeau seul. Prends-toi en charge. À partir d'aujourd'hui. Oh non. Oh Zou. Reste là. Si tu fais un pas, tu es morte. Allez, quitte la libère mon chemin. Toi, Nena, hormis le fait que tu sois aveugle, tu exploites quand même ton patrimoine? Ha! J'ai toujours su que tu étais une prostituée. Je ne suis pas étonnée. Avec ton bâton, tu te balades partout dans les villages en sortant avec les hommes que tu croises. C'est ça le résultat. Dieu t'a exposé aujourd'hui. Su que tu étais une prostituée, je ne suis pas étonnée. Avec ton bâton, tu te balades partout dans les villages en sortant avec les hommes que tu croises. C'est ça le résultat. Dieu t'a exposé aujourd'hui. Mon Dieu. Le pire dans cette histoire est que elle continue de mentir, disant qu'elle a été violée. Hey! Mon Dieu! Il faut bien. Je ne savais pas. Maintenant, je comprends. Tu vois, je l'ai vue assise seule sur la route. Quelques jours passés, son humeur n'était pas bonne du tout. Je vois qu'il réfléchissait vraiment sur ses actes. Ugodia, je me fiche de tout ce que tu racontes. Je lui avais déjà dit à partir de ce jour-là de se prendre en charge. Je ne veux pas me tuer pour elle. D'abord, elle est inhabile. Elle s'ajoute encore d'autres problèmes sur elle-même. Quelle pitié! Il n'y a rien de pitoyable pour elle. Hé! Elle est où maintenant?
Je saurai comment. Bien, où est-ce qu'elle peut bien être? Si ce n'est pas chez sa complice, Emerie. Il y a des choses qui se passent. Je t'ai dit. Tu ne peux pas croire. Ma soeur, essaye. Hein? Laisse-moi partir. Je vais quelque part. Merci. Bonne route. Regarde là. Nena, comment vas-tu? Allons-y seulement. Hey, pourquoi est-elle embarquée dans une situation terrible? Mais j'allais aussi te poser la même question. Qu'est-ce qui fait qu'elle pleure toujours en cours de route? Quoi qu'il en soit vraiment, ce n'est pas une bonne chose. T'as raison. C'est la seule manière qui montre que sa marâtre et sa demi-sœur sont en train de la maltraiter. C'est vrai. Je souhaiterais être dans une bonne position pour la soutenir. Moi aussi, vraiment. Allons-y, ma chérie. Partons. Allons-y, hein? Hey! Enceinte comment ça? Hein? Comment peux-tu être enceinte, dis-moi? Comment peux-tu être enceinte dans cet état? Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas juste ça. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est ce que je me disais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment vivre ce genre de choses. Elles ont dit que je dois me prendre en charge. C'est bon, ok, c'est bon. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Écoute, je serai là pour toi. Tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Après tout, tu as toujours été responsable de toi-même. Alors je ne vois pas pourquoi cela doit leur sembler différent. T'inquiète pas, ok? Elles sont juste en train de chercher des excuses pour ne plus t'accorder le peu d'attention qu'elles te donnent. Elles cherchent une excuse pour se libérer de toi. Je serai là pour toi, t'inquiète. Il est vrai que c'est pas difficile parce que vu l'état dans lequel tu te trouves, tu es enceinte et... Bon, mais je vais essayer quand même. On va essayer. Bien que c'est pas facile. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu me donnes aussi envie de pleurer. Ça va aller. Nekwafa, les oiseaux de même plumage, les généreuses du village, toujours à vouloir partager. Doron, 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 c'est ça. Tu sais que ton ami est prostitué, donc c'est ça que tu es. Tioma, Tioma, je t'en prie pour l'amour du ciel. Juste évite-moi, s'il te plaît. Da, tu la fermes. Qu'est-ce que tu racontes? Voyez-moi cette crapule. Que feras-tu si je refuse de t'éviter? Tu vas me tirer par force jusqu'à la maison? Que vas-tu faire? Rien du tout. Regardez-la. Pétasse.
Bien, je n'ai pas de temps pour toi. Allez, reviens par là, mon ami. Voyez-moi celle-là. Donc, si je t'observe, tu vas me tourner les dos et passer comme si de rien n'était. Donc, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect. Respecter qui? Toi, une véritable bonne à rien. Ah, c'est grave. Ah, comment oses-tu? Comment oses-tu? Hein? Es-tu malade? As-tu perdu la tête? Hein? Aïe, Seigneur! Mon Dieu, mon Dieu! Aïe, 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 aïe! Idiote! Aïe, 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 aïe! Aïe! Ça fait mal! Aïe! Aïe! Aïe, Seigneur, j'ai mal. Ça fait très mal. Aïe! 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 Aïe, Chuma, Chuma, oh Chuma, aïe, aïe. Que se passe-t-il? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, n'est-ce pas cette stupide émérée? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne faisais que la conseiller pour qu'elle arrête de se promener avec Nena et qu'elles arrêtent d'offrir leur corps à tous les garçons de ce village. Et c'est juste comme ça que nous avons commencé à se battre. Vous à se battre. Mais ta peau est irritée. Oui, ça, maman, elle m'a mordue. Juste comme ça, maman. Elle n'avait rien trouvé d'autre, juste comme ça. Hein? Elle m'a mordue. Hey. Oh, Chuma, avec cette taille que tu as, avec ce poids, non, ça veut dire que tu as laissé Emery t'approcher et te battre. Maman, tu ne comprends pas. Écoute, tu vois cette morsure, c'est parce que j'étais distraite. Maman, je l'ai soulevée avec mes épaules, mourante. Après cela, hypercute. Après, elle t'a retenu au pied pour te mordre. Maman, non, tu ne comprends pas. Écoute-moi maintenant. Si tu ne veux pas que je te donne mon rôte, hyperquitte et te mordre après, va prendre ces grands seaux. Va puiser de l'eau. Maman? Papa? Maman, avec cette morsure, j'ai très mal. Je ne saurais pas porter quelque chose avec cette main. Tu as une morsure. Si tu ne veux pas être chargé de coups et de morsures, prends ces grands seaux. Va à la rivière puiser de l'eau. Oh, s'y sent. Tu me résistes? Oh, qu'est-ce que tu crois? Je lui ai donné une bonne leçon. C'est parce que je t'ai distraite qu'elle m'avait mordu ici. Qu'est-ce que tu crois? Je suis sûre qu'en ce moment, elle est dans les commandes. Je lui avais donné une très bonne leçon. Comment tu peux te battre avec une amie et puis il te laisse avec des morsures? Ça veut dire que tu n'es pas forte. Dépêche-toi. Maman, je l'ai corrigée. Je l'ai très bien corrigée. En ce moment, elle est sûrement dans le coma. C'est toi qui étais au coma ici. On te mord comme si on mâchait une viande. Va pousser de l'eau. J'ai toujours cru que tu étais forte. Tu me prouves le contraire. Hey! Tu feras autant de tours que tu pourras pour remplir cet honneur. Tu m'entends? Tu es puni. Tu dois remplir toute cette citerne pour que tu apprennes à être forte. Et si on venait me menacer ici, comment tu vas me défendre? Tu n'as que ta bouche pour parler. Paresseuse. Je ne les crois toujours pas, jusqu'à ce que je les verrai de mes propres yeux. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui est étrange de voir une fille aveugle enceinte? Nidia, c'est une pauvre fille. Qui prendra soin d'elle? Et puis c'est une orpheline. Son état n'est pas une barrière pour devenir mère.
Ce que je ne comprends pas, c'est d'entendre qu'elle a été violée. Mais qui peut faire ce genre de choses? C'est ce que tout le monde est en train de dire. Même toutes les filles n'ont pas cru cette histoire de violée. C'est vraiment étonnant. Si elle a été violée réellement, cette personne est vraiment une sorcière. Elle ne peut même pas mériter le pardon des dieux. Hein? Oh! C'est vraiment étonnant. Oh. Oui, oh. Pardon, mon ami, aide-moi à finir ce travail que je suis en train de faire. Ok. Ah. Ah. Ah ah. Hé, hey, Obi. Ah, pourquoi tu Ifunaya. Es ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que tu es seule. Oui. Mais pourquoi tu as pris beaucoup de temps comme ça? Je suis là en train de t'attendre. Je pense qu'Akudo ne viendra pas ici. Quel Akudo? Je t'avais dit qu'Akudo ne me ressemble pas. C'est toi qui me ressemble. Regarde tout ce que tu as. C'est vraiment ce que j'aime. Elle n'est pas de ton genre, mais tu me quittes pour elle. Te laisser pourquoi? N'est-ce pas, c'est elle qui est venue chercher des problèmes ici? Je l'aime pas, c'est toi que j'aime. Je lui avais prévenu, elle ne mettra plus ses pattes ici chez moi. Et c'est toi que j'aime. Tu es sûr? Oui, non? Hmm? Ne perdons pas le temps ici, quelqu'un peut nous voir de loin. Alors, allons à l'intérieur. Es-tu sûr? Très sûr, ah, bébé, regarde-moi ce que tu as. Hein? Oh la belle. Ah ah. Celle dont tout le monde rêve dans ce village. Hey, elle est juste là devant moi. Hey, voici donc la plus belle. Ha, ma belle. Ah, ça va, tu es vraiment belle. Oh merci. Tu viens d'où comme ça? Je viens de voir ton ami. Obina. Oui. D'ailleurs, je me dirige vers chez lui. Waouh. Oh, quelle coïncidence. Écoute-moi. Je crois que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous voir aujourd'hui. Parce que tu sais, ça fait vraiment longtemps que je cherche à te voir. Je te jure. Hein? Donc comme ça, nous pouvons nous mettre ensemble. Comme ça, je paierai ma dîme. Tu sais que Obina est ton ami. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être avec une personne comme toi. Il est mon ami. Il est aussi ton ami. On mange ensemble, on partage les habits. Hein? Donc on peut tout partager ensemble. Hein? Et arrête ça, pardon. Ifunanya. Ah, comprends aussi que nous sommes en préparation de notre mariage. Alors tu dois enlever tout ce que tu es en train de planifier dans ta tête, ok? Parce que je n'aurai rien à faire avec toi. Attends, Obina et toi, planifiez votre mariage. Oui. Et qu'est-ce que t'as mis? Ifunanya, ouvre tes yeux. Tu n'es pas la seule fille avec qui Obina sort. Si seulement tu acceptes ce que je dis, je te donnerai tout. L'argent, le sommet de ce village. Aucune fille n'osera s'aimer à toi. Dans ce village. J'essaie d'expliquer, tu comprends pas. Hein? Regarde-moi, essaye un peu de voir. Allez, faisons la chose. Hein? Et puis laisse-moi payer ma dîme. Je ne peux rien lui faire. Je l'aime beaucoup. Il est mon amour. Ifunanya. Tu ne sais pas ce que tu rates. Mais pourquoi tout le monde essaie derrière Obina? Hein? Ou parce que seulement c'est un homme à la peau claire? Écoute, moi là, je n'applique pas les car white. Oh. Être courageux de jupon là, c'est ce qui me fait de l'aimer encore plus. Oh Seigneur. Ok, donc laisse-lui comme ça pour moi. Ifunanya, regarde. Ifunanya, regarde. Laisse-moi te dire quelque chose. Ifunanya, hein? Si tu m'acceptes maintenant là, je vais te donner quelque chose. Hey! Regardez-moi ça. Ifunanya, tu vois toutes les choses que je suis en train de voir là? Je finirai par nager dedans. Hey! Regarde là. J'aime comme ça bouge. Advienne que pourra. Voilà, prenez ça. Prends celle-ci, fin du match. Je savais très bien que ce match allait se terminer avec cette carte. Tu es sérieux? Attendez s'il vous plaît. Vous êtes au courant? Qu'est-ce qu'il y a encore, Uche? Hein? Est-ce que tu es encore venu gâcher l'ambiance avec tes fausses nouvelles? Ah, Bobo, toi aussi. Est-ce que hein? Tu sais ce que moi j'ai dit? Laisse-le parler. Tu le sais? Il va parler. Laisse-le parler. Mon cher, bon, vas-y, parle. Est-ce que vous savez que Neina, la fille aveugle, est enceinte? Nena, la fille aveugle, enceinte, comment est-ce possible? Uche. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne me dis pas que tu ignores ce qui se passe. Nena a été violée et elle est tombée enceinte à cause de ce viol. Quelqu'un l'a violée. Non. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que
sa belle-mère l'a abandonné. Hey! Comment les gens peuvent être aussi méchants? Une pauvre femme aveugle comme ça. Violée, qui est cette personne qui peut faire ça? Violée. Bobo, cette belle-mère est vraiment sorcière. Une personne méchante. Elle a juste profité de la situation de cette jeune fille pour la chasser. Hey! Mais qui a vraiment pu faire ça? C'est juste parce que je ne connais pas la personne. Sinon, ce genre de personne devait être puni et condamné à mort. Hein? Nous parlons d'amener ce genre de personne devant les conseils de tous les villages pour être mise à mort. Si c'est moi, je prendrais une telle personne en dehors de sa masculinité, lui faire la même chose, alors il va sentir la douleur du viol. De personnes méchantes. Je comprends pas comment on peut violer une fille. Une fille aveugle, tu la violes comme ça. Hey! Obina, tu vas bien? Tu ne participes pas à la conversation. Mais jusque-là, tu n'as pas joué. Tu es où? Je suis juste en train de réfléchir. Comment est-ce que quelqu'un peut violer une fille aveugle? Une pauvre jeune fille. C'est méchant. Non, c'est moi qui dois jouer. Le monde est vraiment très méchant. Mon cher, on attend que toi. Hein? Et mon frère, c'est quoi? Tu es là avec nous? Oui. Vas-y, joue, c'est ton tour. Les autres vont jouer aussi. Mon cher, moi je suis très fatigué de jouer. Juste comme ça? Je suis fatigué. Tu vas chercher une fille. Continuez, vous n'êtes pas fatigué. Moi je reviendrai quand je serai en forme. Ah mon frère, t'occupe pas de lui. Il a fui. Quand le maître et la personne osent parler. Sœur Chioma, bon après-midi. Comme tu peux le voir, je vais bien. Quoi puis-je t'aider? Sœur Chioma, j'aimerais partager la parole de Dieu avec toi. S'il te plaît, Sœur Chioma, donne ta vie à Christ. Est-ce que tu peux te repentir et donner ta vie à Christ? Que je donne ma vie à Christ, donc cela veut dire que je serai morte et mon cadavre va se retrouver au cimetière. Ce n'est pas ça, Sœur Chioma. Tu vois, le genre de vie que tu mènes n'est pas du tout bonne pour toi. Tu sais, c'est tellement merveilleux de servir Dieu qui est dans les cieux. Parce que quand tu le sers, il va te faire du bien. Regarde maintenant ta sœur. Elle est tombée enceinte dans la maison de votre père. Et si tu veux causer avec moi, si tu veux que je reste là en train de t'écouter, parle-moi directement. Si tu mets les noms des naines dans cette discussion, c'est aveugle. Je vais m'en aller. Dans ce village, tout le monde sait que Nena est une cantine publique. Elle distribue à gogo. C'est de cette façon-là qu'elle est tombée enceinte. Ça ne me regarde pas, parce que je ne suis pas une pécheresse. As-tu déjà entendu que j'ai volé les histoires de quelqu'un, ou soit j'étais sortie avec le mari de quelqu'un? Alors dis-moi, pourquoi veux-tu que je me repentisse? Qu'est-ce que je fais du mal? Tu sais, sœur Chioma, la Bible dit que ce que tu fais là n'est pas suffisant. Tu dois donner ta vie totalement à Christ, ma bien-aimée. Tu dois donner ta vie à Christ. Hein? Écoute, sœur Chioma, tu dois te repentir. Voilà pourquoi je t'invite dans mon église ce week-end. Nous aurons un homme de Dieu très loin. Alléluia! Okay. Il y aura la présence de Dieu. Les vies vont changer. S'il te plaît, viens. Donc, si j'accepte de venir, tu vas me laisser partir? Oui. D'accord, alors je peux m'en aller? Oui, prions d'abord. Répète après moi, Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, sœur Chioma. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ta vie. Je veux dire ta vie, sœur Chioma. Dis, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Il y a la fête au ciel. Tu sais quoi, ma sœur? Sœur Chioma? Oh, merci Seigneur. Il y a la fête au ciel. Il y a la fête parce que quelqu'un a reçu Christ dans sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman, je pars à la rivière. Mais il n'y a pas longtemps, tu as changé d'avis. Eh ben, j'ai changé d'avis. En plus, il n'y a pas d'eau à la maison. Je dois partir. Si tu veux, passe nuit là-bas. Tu sais ce qui t'arrivera. Je reviens vite.
Izu. 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 Il n'est pas encore là ou quoi? Ah! Où étais-tu parti? Tu étais censé m'attendre. Désolé, bébé. Je suis désolé. Bon, allons-y. Allons-y, partons, partons. Allons-y, vite. Allons-y. Bien. Nena. 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 C'est quelle façon de dormir? Ah ah! Dépêche-toi de nettoyer l'endroit que je t'ai demandé de nettoyer. Idiote! Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens très mal. Oh, ma pauvre! Quand tu t'es allée te faire en santé? Tu as cru que ça allait être une très belle expérience, hein? Mon ami, lave-moi ces assiettes. Je ne vais pas rentrer ici et te trouver en train de traîner pour le finir. Idiote. Descends. Et sottise. N'oublie pas de nettoyer cette eau. Oh, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'était ici, non? Oh. Frère Izu, bon après-midi. Oh, voilà qui je suis en train de voir aujourd'hui. Hola! Vraiment? Non, pas de soucis, pas de soucis. Merci. Frère Izu. Ouais. Je t'ai apporté une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Oui, mon frère. Hey, que Dieu soit loué. Oui, le roi. Il faut le louer. Frère Izu, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Oh, je vois. Frère Izu, je veux que tu te répandes et que tu donnes ta vie au Seigneur. Ok. La Bible dit, qu'est-ce qui va profiter à un homme de gagner tout ce monde et qu'il perde sa vie? Eh non, je refuse ça, je lis ça, je jette ça oui, dans le feu sûr, du Saint-Esprit. Hein? Voilà pourquoi tu dois te repentir et donner ta vie à Christ, frère Izu. Hein? Je t'invite alors dans mon église ce soir, nous avons un programme spécial. Wow. Alors, s'il te plaît, j'espère que tu seras là. C'est quoi encore le nom? Sœur Cheta. La sœur Cheta, un si joli prénom. Bon, j'ai tout compris. Mais voici le problème que nous avons. Tu vois, on n'a pas beaucoup de temps à passer ici pour essayer de bien parler. Donc, ce que nous allons faire, tu vas me suivre chez moi à la maison. Donc, on va arriver chez moi, tu te détends, tu prends ton temps, tu te reposes et nous allons parler. Tu vas me dire tout ce que tu voudras. Donc, tu arrives chez moi aujourd'hui même que pour la Dieu toute m'en première épargne. Fois. Ça signifie quoi ça? Non, dis-moi ce que cela signifie. Hein? Veux-tu je t'invite chez moi. Hein? Calme-toi, c'est moi qui parle. Je parle, tu parles. Hein? Tu me dis de me repentir. Pour une seule fois, je t'invite. Une seule fois. Et que moi, je me repente. Tu es vraiment égoïste. Sais-tu que je suis une servante de Dieu? Servante de Dieu, mon œil.
Allez, faut m'arrêter toutes ces histoires-là. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi aussi. Je dis arrière de moi. Il faut m'arrêter toutes ces genres de bêtises-là. C'est une sorte de bêtises que tu es en train de dire là. Des mensonges que tu dis là. Va là-bas, idiote. Espèce de folle. Regarde-moi cet homme. Il a refusé de se arrière de moi aussi. Je te lis. Arrière de moi aussi. Tu n'es qu'une espèce d'idiote. Tu ne mérites même pas d'avoir une Bible sur toi. Des gens comme toi n'ont pas le droit d'avoir une Bible avec eux. Ne t'approche plus de moi. N'importe quoi. Tu m'as bien compris, j'espère. Hein? Ose encore m'approcher, tu verras bien. N'importe quoi. Ose encore venir me dire ces histoires. Repentance. Elle ronfle comme une truie. Chineke, attendez où? Viens, Chineke mère, où sont les assiettes que j'ai demandé à cette idiote de laver? Mais qu'est-ce que je vois ici, mon Dieu? Viens, Nena. Viens, Nena. Tu dors à cette heure de la journée. Maman, bon après-midi. Viens ici. Viens. Approche. Hein? Pourquoi? Mais tu n'as pas lavé ces assiettes? Mais cette fille, mon Dieu. Maman, je les avais nettoyées. Hein? Tu as fait quoi? Oui, maman. Hein? Tu les as lavées? C'est bien oui, ça? Maman, j'avais commencé à nettoyer, puis je n'avais plus retrouvé le frottoir et le savon. Et qu'est-ce que tu t'es censé faire après? Hein? Ça, c'est quoi? Ça, ce n'est pas le frottoir et le savon? N'est-ce pas ça, les savonniers? Hein? Toi? Hé! Hey. Nanya, hein? Réponds de les laver vite avant que je ne te défigure ce visage. Maman? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ta voix depuis la maison. N'est-ce pas que c'est cette non-voyante? Hein? Elle croit me mentir et en sortir indemne. Hein? Regarde les assiettes qu'elle vient de laver. On dirait qu'elle n'a même pas touché à ça. Je lui pose la question, elle me dit, oh non, à un moment donné, elle ne voyait pas le fauteuil et les savons. Elle ne voyait pas le savon, alors ça c'est quoi? Oh! Allez, go. Prends ces assiettes, va les laver! Quel genre d'humain es-tu? Tu ne sais rien faire de bon dans cette maison. Hein? Prends ces assiettes et réponds de les laver. N'importe quoi. Une ratée. Et ose casser une assiette. C'est ce que je vais utiliser pour Fais attention, ne me conne pas avec ces bâtons. Folle. Là dehors, tu sais tout faire ici. Ici, tu veux être un bébé. Crapule. Zinzin. Prends-moi toutes ces assiettes et ose casser l'une d'entre elles. Tu verras ce que je vais te faire. Va les laver. Fais-les avec beaucoup de soin. Tu peux les laver 10 fois. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile sur ça. Je suis là, je suis patiente. J'attends que tu finisses. Idiote. Nous sommes ici. Paresseuse. Nous te regardons. Ne gaspille pas mon nom. Tu n'as fait que gaspiller mon nom inutilement. Au lieu de bien laver les assiettes une fois pour toutes. Regardez-moi cette fille, oh. Hein? T'es vraiment un cas social. Après, tu vas aller m'épuiser, c'est tout. Je ne suis pas partie, hein. Je suis là en train de te regarder. Tu n'es pas seule, maman. Moi aussi, je suis là. On la regarde. Tu peux les laver avec ce que tu as déjà pris. Ça suffit. Ne prends plus de l'eau dans ce tonneau. Commence à les laver. Avec les naissances. Je vois comment tu veux faire perdre de temps. Où est-ce qu'elle va comme ça? Hein? Quelle chaise? Rentre là-bas. Recule. Accroupis-toi et lave ça. Je cherche ma chaise. Je suis déjà fatiguée. N'est-ce pas que tu as encore de l'âge? Mais maman, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? N'est-ce pas que c'est une fille? Pour laver les assiettes, il faut pleurer. Les cérémonies.
Nena, quand est-ce que tu vas donner naissance à ces bâtards que tu portes? Réponds-moi, ne reste pas silencieuse. Nena, n'est-ce pas que c'est à toi que je parle? Bien, c'est à cette réaction que je m'attendais. En plus, je ne serais pas surprise si tu devenais sourde et muette. Je ne serais pas étonnée, pas du tout. Bêtise. Une aveugle comme toi, tu te balades partout dans le village en t'offrant à tous les hommes. Hein? Mais qui pouvait s'imaginer? Hey, tout fier à quoi? Tu es toujours par-ci, par-là, derrière les hommes, derrière les hommes. Iye. Nena. Oui, Eva, hey, tu vas bien, là? Ah, les oiseaux de même plumage. Regardez-le. Voyez-moi comment ils sont. Choma, Choma, je te demande pour l'amour du ciel, juste évite-moi. Je te les demande gentiment. Laisse-moi tranquille. Voyez-moi cette idiote. Que feras-tu si je refuse de te laisser tranquille? Hein? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, comme si elle était une sainte. Oublie ta taille. Je te demande, Choma, de ne pas faire confiance à ta taille. Hein? Si je m'occupe de toi aujourd'hui, ta peau va changer de couleur. Tu seras méconnaissable. Tu deviendras toute grise. Bien, Choma, que ta taille ne te trompe pas. Que ça ne te trompe pas du tout. Parce que si tu cherches à me provoquer maintenant, je te donnerai la même chose que je t'avais donnée la fois passée. Je vais te refaire les portraits, tu seras méconnaissable, évite-moi. Ta, tu la fermes. Ta, ferme-moi cette bouche. Voyez-moi celle-là. Parce que je t'avais laissé t'approcher de moi la fois passée. C'est pour cette raison que tu te prends la tête. Hein? Tu avais profité, tu m'avais mordu. Cette fois-ci, ça ne sera pas pareil. Je vais d'abord commencer par tes dents. Je vais t'enlever ces troncs des dents. Et ensuite, je vais m'occuper de toi. Regardez-la. Insensée. Stupide fille. Stupide fille. Aimerais. Hein? S'il te plaît, oublie-la. L'ignorer? Ha! C'est à cause de toi. Oh. Il serait mieux que tu écoutes ton ami. Ça risque de mal se tourner pour toi. Ça, c'est la parcelle de mon père. Je suis né dans cette parcelle. C'est chez moi. Si tu oses, je vais t'attraper des forces, te plier et te briser en deux. Je te l'ai dit. Regardez-moi celle-là. Honte à vous. Honte à vous, les prostituées. Voyez-moi ça. Vous mangez du n'importe quoi. Laissez-moi vous dire ce que vous avalez, c'est de la merde. N'importe quoi. Oui, je m'en vais faire la cuisine pendant que vous mangez du n'importe quoi. Mais comment est-ce que vous faites pour avaler cette saleté? Donc c'est les salaires que vous obtenez dans votre travail de prostitution? Des malades. Regardez. Les idiotes.